gens, ici c'est Shalloa, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte et ça fait un bon moment que je n'en avais pas fait. Et pour l'occasion, eh bien on va faire un jeu qui en ce moment fait beaucoup parler de lui, hein. Je l'ai acheté dès sa sortie et je peux y jouer. Je n'ai pu jouer qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 4 jours après. Malheureusement, vous avez certainement dû le voir passer pas mal sur les réseaux sociaux et même sur YouTube. Le magnifique et très nostalgique Cuphead, qui a donc la particularité, hein, pour ce petit jeu, eh bien, de ressembler énormément aux vieux dessins animés du style les vieux Steamboat Willie, les vieux Mickey, les vieux dessins animés que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien évidemment. Mais il a aussi d'autres particularités. En fait, on se croirait vraiment dans un dessin animé. Hein. C'est absolument ouf. Ce jeu est complètement dingue. Je vais vous passer le tuto et l'intro où en fait il racontait un peu tout plein de choses. Hop, on va passer comme ça. Notamment, vous incarnez Cuphead, qui est donc un petit monsieur avec une tête de tasse à thé. Voilà, Cuphead, c'est la tête de tasse, quoi, en gros. Et votre ami Mugman, parce que le jeu peut se jouer en coop. D'ailleurs, je pense que je vais le faire en coop un petit peu, moi, après, de mon côté. Et pour vous dire à peu près l'histoire, hein, basiquement, voilà, vous vous amusez avec votre pote, vous êtes arrivé dans un endroit pas très recommandé, qui est le casino du diable, et en gros, vous aviez tellement de bol, que vous avez gagné tellement d'argent, que le diable vous a lancé un ultime défi, en gros, de gagner un dernier jeu. Et si vous gagnez, vous gagnez tout l'argent du casino. Et si vous avez perdu, eh bien vous perdez votre âme. Eh bien vous avez perdu comme des merdes parce que c'est le diable qui vous a donné des dés truqués. Voilà, faut pas déconner. Le mec est pas là pour perdre. Et donc en fait le but du jeu, eh bien en échange de votre âme, vous avez décidé d'aller bien chercher l'âme des autres personnes à qui doivent leur âme au diable en fait. Et donc tout le but du jeu, c'est d'aller récupérer l'âme des gens. Voilà, vous êtes un peu un collecteur quoi. Et comme ça vous gardez votre âme. Voilà. Alors d'accord, pour le background, ça c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que... Eh ben en fait, c'est un run and gun. Donc c'est-à-dire un jeu où vous allez aller d'un point A à un point B en tuant des ennemis et en faisant de la plateforme avec du défi. Et notamment pas mal de défis, vous allez pas mal mourir. Donc il y a des niveaux comme ça, plateforme. Aller d'un point A à un point B. Tout simplement. Et il y a des niveaux boss rush. Où, eh bien, voilà, le but du niveau, c'est d'affronter un boss qui est donc où vous devez collecter en fait l'âme. Pour le diable. Sachant que c'est des boss ultra compliqués, enfin au début de la saga, qui sont des boss ultra compliqués selon le début ou pas, surtout avec des patterns, avec plusieurs phases, qu'il va falloir apprendre. En général, les premiers niveaux, c'est possible de les faire du premier coup. Il y a un boss notamment, celui-ci que je vais vous montrer après, que j'ai réussi à faire du premier coup, sinon les autres, vous mourrez quand même. Une ou deux fois le temps d'apprendre un peu les patterns, parce que quand ça change de pattern vous êtes surpris et en général c'est beaucoup d'apprentissage. C'est des niveaux qui sont assez courts, hein. En général pour finir un niveau ça vous prend moins de 2 minutes, mais comme vous le faites plusieurs fois ça peut prendre assez longtemps. On va commencer tout simplement avec un petit niveau de plateforme, un niveau run and gun. Vous allez voir, le jeu a une ambiance complètement folle quoi. Alors on a tout d'abord, on peut se déplacer, on peut sauter, on peut tirer. Voilà, on peut rester sur place aussi pour tirer. On a une spéciale que je peux pas vous montrer parce que là il faut que je recharge ma spéciale. Et on a un dash qui permet donc d'esquiver les attaques. Voilà. Et puis en plus on a un truc qui permet en fait de... C'est un système de pari en fait. À certains moments il y a des objets un peu particuliers qui sont en violet. Et en faisant un double saut, et bien vous pouvez activer ces paris. Il faut en activer 3 par niveau. Enfin ça dépend du niveau mais pour le moment c'est 3 par niveau. Voilà, donc tout simple. On se balade, on tue les ennemis et le but c'est d'aller jusqu'à l'arrivée sans mourir. Sachant que vous avez 3 points de vie au début, ensuite vous pourrez en avoir plus, mais pour le moment vous avez que 3 points de vie. Oui, non, peut-être, tu ne veux pas sortir de ton endroit. Voilà, le système de pari c'est ça, c'est les boules qui sont là, il faut absolument taper. Et je suis con, je suis passé au-dessus alors qu'il y avait... il y avait un ennemi. Hop, le système de pari, voilà, le double saut, et c'est activé. En plus, le système de pari, donc en plus pour le bonus, on va dire, je me suis fait déglinguer 2 fois de suite, parce que je ne suis pas du tout attentif, permet aussi de recharger votre barre de super, en fait. Ce qui peut être donc plutôt intéressant. Les cartes, là, les super, c'est les petites cartes que vous voyez en bas à gauche. Voilà. Et là, je sens que je vais crever, donc je vais passer. Parce que forcément... vous ne regagnez pas votre vie. Voilà, le but c'est d'arriver jusqu'au bout. Une fois que vous avez plus de points de vie, vous avez plus de points de vie, c'est terminé.
c'est complètement terminé, terminé. Et voilà donc la barre de super que vous pouvez utiliser avec une gâchette pour faire des super attaques. Très pratique donc pour les boss notamment. Oh purée, j'ai failli me faire avoir comme un bleu là. Mourir comme un caca, si près de la fin. Je crois que la fin est juste là. En plus. Pars-toi. Hop. Voilà. Bravo. Avec la petite musique en fond, qui est absolument géniale quoi. Bon, pour éviter, si le jeu vous intéresse en fait, je vais vous faire que les trois premiers niveaux, histoire que ça ne vous spoil pas trop pour la suite, mais que vous puissiez voir à peu près 2 minutes 04, j'ai été un peu long parce qu'en fait au début je vous expliquais. HP bonus c'est, donc ça c'est le système de score, vous avez le temps, vous avez HP bonus c'est le nombre de points de vie qui vous reste avant la fin de la partie, les paris c'est donc les petites boules violettes que vous avez vues, qui permettent donc de en avoir 3 pour ce niveau là après 4. Ensuite c'était les pièces et du coup à la fin ça vous donne un rang tout ça et le rang et bien le but c'est d'avoir le plus haut rang possible j'ai envie de dire voilà je vais vous montrer aussi un truc c'est le shop puisque en fait vous récupérez des coins vous récupérez des pièces par niveau et donc ces pièces là vous pouvez et bien les utiliser pour acheter des objets donc par exemple là vous pouvez acheter un nouveau tir. Vous pouvez acheter le first parry, on utilise le jump, ok. Donc ça c'est par exemple, c'est en fait vous avez juste à passer sur les paris, vous n'avez pas besoin de double sauter pour les activer. En tout cas pour le premier, ça fait ça. Là vous pouvez avoir un tir qui se divise en 3, là vous pouvez avoir un super meter, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas trop ce que c'est, roundabout. C'est un... D'accord, c'est pour en fait, quand vous prenez un dégât, vous pouvez vous dégager de là plus rapidement quoi. Une fois que vous avez acheté ce genre de choses, et eh bien en fait vous avez une fiche de personnage. Voilà, pour un petit RPG on va dire. Voilà, donc les différents, le shot A, le shot B, la super attaque qui est donc pour le moment juste la grosse boule, l'espèce de Kamehameha. Là j'ai déjà acheté un cœur supplémentaire, ou alors je peux aussi me rendre invisible quand je fais le dash, qui permet d'être invincible en fait tout simplement. Et puis c'est à peu près tout pour nos personnages, sachant que quand on joue en coop, vous pouvez acheter aussi des charmes de l'autre côté et les équiper différemment que le premier joueur, quoi, histoire de faire un truc un peu à votre sauce. Là on est donc sur la map elle est juste trop cool en vrai, tu te balades, ça fait un peu, c'est comme un vieux Mario, mais en mode tellement plus stylé quoi, enfin c'est absolument dingue le charme de ce jeu, puis les petites musiques posées à la cool c'est complètement dingue. On va se faire un boss rush, histoire de vous montrer un peu de quoi ça a l'air quoi. J'ai envie de vous dire. Un peu le truc de base. Voilà. Une grosse bouboule. Bon basiquement, vous avez bien vu comment ça faisait. On comprend assez rapidement comment il faut faire ça pour le tuer. On va dire l'esquiver. Le truc du gluant, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un classique. Hein. Hop. En fait, vous avez un truc, voilà, en fait, il faut le buter jusqu'à qu'il change de pattern. Hop, là, changement de pattern, c'est une grosse bouboule. Et la grosse bouboule, voilà, je me suis esquivé comme un caca. Boum, petite super. Boum. C'est vraiment plus difficile à esquiver la bouboule. Tiens. Mauvais truc. Là, je fais du caca là. En vrai, je fais du caca, je sens que je vais mourir. Ok. Dernier pattern. Et puis en vrai, ce jeu a des animations de malade en vrai. Regardez-moi comme c'est. Comme c'est. En fait, on a limite pas l'impression que. Qu'on est dans un jeu quoi. Ça se décolle à peine du décor. Assez pour que ce soit lisible quand même. Hein. Mais en vrai, je trouve ça tellement impressionnant. Et voilà, pow! Le boss est défoncé. D'ailleurs, j'avais complètement oublié que j'avais encore mes attaques spéciales. Il m'en restait quelques-unes, j'aurais pu lui faire des dégâts supplémentaires. Et c'est le screen des résultats. Alors, combien de temps? Voilà, 1 minute 32. Ouais, c'est très, 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 très rapide. Mais là, par contre, j'ai pas trouvé comment faire des paris parce qu'il tire pas vraiment de double. Mais. Ça doit être une autre manière de le faire. On va se laisser là, mais avant, je vais vous montrer quand même un autre boss, hein, un autre boss assez simple du début.
qui est donc dans le petit potager. Botanique panic. Vous voyez que là, il y a deux modes de difficulté si jamais vous voulez, en fait, au début, vous approprier un peu le pattern. Ensuite, vous pouvez le faire de façon normale. Voilà. Et je suppose qu'une fois que vous avez terminé le jeu, vous aurez le mode plus compliqué. Par contre, pour le moment, je n'ai pas encore fait le mode... Ah, voilà, ça se renvoie. Je n'ai pas encore fait en mode coop, donc je ne sais pas trop si, eh bien, il y a la possibilité... si les boss sont plus durs, c'est-à-dire qu'ils ont plus de vie, ils font plus de dégâts ou des choses comme ça, je ne sais pas trop. Enfin, plus de dégâts. C'est complètement con de dire plus de dégâts, étant donné que vous perdez qu'un seul point de vie à chaque fois. Donc c'est assez simple. De toute façon, au niveau terme de dégâts, c'est... Voilà, genre ce dégât là, j'aurais jamais dû me le prendre. Jamais de la vie. Hop, allez, troisième pattern, on enchaîne. La carotte au psychopathe. Hop, elle va manger un peu. Hop. Hop, ça esquive. Hop, ça esquive. Brrra. Allez. Je sais pas trop combien elle a de vie là, mais on devrait manger un peu là, non? Allez. Knock out! Et voilà pour un deuxième petit boss bien sympathique. Alors le jeu, en termes de durée de vie, je ne sais pas trop. Puisque je pense que là, c'est surtout les premiers niveaux qui sont assez faciles, donc ça va mine de rien assez vite quand même. Puisque pour faire les trois premiers niveaux, vous voyez que ça m'a pris... Mais pas 10 minutes. Bon, la première fois, j'ai un peu galéré quand même sur le premier niveau plateforme. Je les trouve plus compliqués, bizarrement. Puisque, en fait, pas de checkpoint quand tu fais tout un niveau, voilà, c'est compliqué. Mais par contre, ce que je peux vous montrer, c'est que. Paf. Là, on a la liste. Et en fait, voilà. Déjà, pour. On a l'air d'avoir 4 niveaux pour le moment. Je sais pas exactement si c'est si en entier, s'il y en a d'autres qui se débloquent ou pas. Et puis, on a la liste des différentes âmes qu'on a récupérées. Et là, eh bien, on voit que, eh bien, il y a 5 boss à faire dans cette zone-là et 2 niveaux de plateforme, on va dire. Donc ça permet d'avoir un peu une vision pour ce premier monde. Pour le deuxième monde, je ne sais pas s'il est plus grand ou si ça a à peu près le même nombre. Mais il y a l'air d'avoir, je pense, pas mal de durée de vie, étant donné que vous allez certainement recommencer plein de fois les niveaux. Plus on s'approchera de la fin, plus vous allez certainement recommencer moult fois les niveaux. Bref. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui pour cette vidéo découverte. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'était Cuphead qui est un jeu en fait que j'ai vu très très longtemps. J'étais complètement hype en fait. J'avais déjà écouté plein de fois les musiques et tout qui sont vraiment trop ouf dans les vieux styles et surtout le visuel en fait que je trouvais absolument dingue. Même avant d'avoir joué au jeu quoi. Et une fois que tu joues au jeu en fait. Tu kiffes à mort quoi. Et dans l'univers comme ça, t'es plongé tellement dedans, tu kiffes à mort. Et par rapport à Dark Souls que j'ai fait, qui est un jeu aussi frustrant où tu recommences souvent, tu prends beaucoup plus de plaisir en fait, avec la petite musique et le graphisme qui sont bien kiffants en mode rétro dessin animé. Ça fait vraiment très très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, pardon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo ou pour une autre vidéo dans la semaine, sachant qu'en ce moment il y a les vidéos les VOD du live de Tomb Raider qui sortent. Allez, salut à tous, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.